votre connaissance. Non, enfin, je vous vois souvent à l'écran de télé. Il y a 10 ans, à cette période, j'avais 400 signatures. Et là, c'est le démocrate auquel je m'adresse. Moi, j'estime que la démocratie dans notre pays est en danger. Moi, je n'ai pas eu connaissance, ni par écrit, ni rien de mon parti qui m'interdisait. Moi, je suis un homme totalement libre. Vous voyez, bon. Mais le problème, c'est simplement, comme je le dis, un problème d'honnêteté morale et intellectuelle, de dire, attends, je vais faire ça, les gens ne comprennent pas, c'est sous cet angle-là. La mairie est fermée aujourd'hui, oui. Donc il n'y a personne là. Non, pas aujourd'hui. Le deuxième tour est incertain et je suis pour la pluralité, bien évidemment. Je comprends votre problématique. Moi, j'en ai discuté un petit peu en amont avec... Oh mon Dieu, monsieur le maire. Madame Boutin. Comme je suis heureuse, je ne pensais pas que vous seriez là. Je fais la tournée des maires pour essayer d'obtenir des parrainages. J'ai promis, moi. Vous l'avez déjà promis? Ah, oh, j'arrive trop tard, alors. Débrouillez, connaissez. Ah, vous l'avez envoyé à monsieur de Villepin, bah, c'est très bien. Voilà. Villepin, c'est étonnant, quand même. Hein. J'ai madame Boutin, qui est dans les locaux de la mairie, était en route. Dans combien de temps, Michel? Bon, ça va, il est bien. Voilà. Prenez un chocolat, si ça vous tente. En plus, les communications passent. De toute façon, on ne m'abattra pas. Alors là, c'est fatigant.